Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Elle est très facile, elle est très simple celle-ci. Elle répond à une question qu'on me pose souvent. Et je suis assez étonné de cette question, mais en fait, Emmanuel, c'est quoi un millésime? C'est très simple en fait. Un millésime, en fait, c'est ce que vous voyez souvent sur l'étiquette. Alors, soit c'est inscrit directement sur l'étiquette, ou alors on a souvent en contre-étiquette ici marqué effectivement l'année du millésime. Le millésime, en fait, c'est simplement l'année de récolte des raisins. Le millésime, comme vous le marquez ici, 2007, sur ce vin ici, ça veut dire que les raisins ont été récoltés en 2007. Bien souvent en septembre ou octobre 2007, et ici donc en 2011. Donc le millésime signale simplement l'année de récolte, donc évidemment du raisin. Alors évidemment, le millésime, c'est une donnée qui est importante, puisqu'on sait très bien que d'un millésime à l'autre, il y a forcément des nuances qui sont très différentes. Évidemment, le millésime va dépendre de la météo. Ce qui fait forcément que d'un millésime à l'autre, on n'aura pas le même vin. Là, on aura la même signature, c'est le même cépage, c'est le même terroir, c'est le même lieu, mais la météo étant différente, forcément, il y aura des nuances. Ainsi, une météo capricieuse, un peu pluvieuse, un peu fraîche, donnera des vins forcément qui auront un peu plus de fraîcheur, plus de variétal et parfois même un petit peu de notes végétales. Et puis, au contraire, quand on a un millésime qui est très chaud, forcément, ensoleillé, on va avoir des vins plus riches en alcool, plus denses, plus amples. Forcément, on voit que d'un millésime à l'autre, évidemment, les nuances peuvent être importantes. Alors, ensuite, il y a une question qu'on peut poser à Emmanuel. Il y a des vins parfois où je ne vois pas de millésime. Alors, évidemment, s'il n'y a pas de millésime, alors ça peut être indiqué discrètement sur l'étiquette, mais il arrive aussi que des vins qui ne sont pas forcément millésimés, pour les petits vins entre guillemets, qui peuvent être par exemple aussi des cuvées que je connais chez des vignerons qui sont pourtant assez sérieux, qui font par exemple un assemblage de plusieurs millésimes. Ça reste quand même à la marge, hein. La plupart des vins signalent forcément un millésime, puisque le millésime est quand même garant d'une qualité, d'une transparence. Alors, juste une parenthèse, le millésime, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que sur l'étiquette, le vigneron n'est pas obligé d'indiquer le millésime. Évidemment, il le fait. Pourquoi? Parce que c'est gage de qualité et de transparence, et c'est toujours mieux d'avoir une bouteille de vin avec indiqué le millésime. Le millésime, donc, c'est juste l'année de récolte du raisin. Voilà, parfait. Merci beaucoup. En espérant que ça a répondu à votre question. À bientôt pour une nouvelle vidéo.